Bonjour à tous et à toutes. Alors cette fois-ci, c'est une vidéo d'intérieur pour partager une information d'un commentaire, puisque cette chaîne, c'est une chaîne de partage pour les débutants et débutantes, les personnes qui se posent plein de questions, qui posent plein de questions, qui ne trouvent pas de réponse, toujours pareil. Et il s'avère que la Zoé 50, vous savez qu'elle est en vente, on peut l'acheter. Alors attendez, je rajuste un peu la caméra. Voilà. On peut l'acheter. Avec les options, sans options. Il est pour l'instant conseillé. En quelque sorte, c'est des précommandes, on va dire. Sur des options comme l'autopilote ou le régulateur adaptatif, j'apporte une précision sur ce fameux régulateur adaptatif qui n'est pas proposé pour l'instant. Renault s'est engagé à le proposer bientôt, hein, ça va se faire, normalement à la fin de l'année. Et ça ferait partie des surprises. C'est des commentaires qui ont été sur les journaux, hein, télévisés et autres, hein, ce ne sont pas n'importe quel commentaire, c'est officiel. Alors des surprises. Quelle surprise! Alors, je suppose déjà l'autopilote, l'aide à la conduite associée avec régulateur adaptatif. Sans régulateur adaptatif, je ne vois pas l'intérêt d'un autopilote, hein, bien entendu. Ça réduit fortement son confort d'utilisation. À voir. On sait que le 1er janvier, tout bascule avec les nouvelles normes européennes. Les anciennes normes qui ont permis aux constructeurs de tricher sur la consommation de leurs voitures thermiques, l'autonomie des voitures électriques et aussi la pollution dégagée par les voitures thermiques. Vous connaissez les scandales qui ont coûté des milliards et des milliards aux constructeurs. Ça aurait été bien plus intelligent de respecter les normes. Ils auraient fait une sacrée économie. Bien sûr, c'est un grand gaspillage pour les constructeurs. Et puis pour les particuliers aussi. Alors donc, on va revenir un peu sur cette société, CMJ Solutions. Alors, je vous avais parlé que du côté de la Bretagne, il y avait justement un petit centre de rénovation de batteries, les grosses batteries des voitures électriques. Parce que c'est vrai qu'on se dit, on dit toujours, une batterie, ça dure combien de temps? C'est même la même question, l'autonomie des voitures électriques, c'est de combien? Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, c'est du concret. Les batteries de voitures électriques, surtout la Zoé, particulièrement comme Tesla, comme d'autres marques, durent très longtemps. Font des centaines de milliers de kilomètres. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que la plupart, ce sont des locations de batteries. En plus, vous ne la payez pas, la batterie. Vous la louez. Donc, du coup, la location, c'est une protection. Puisqu'arrivé à 75% d'autonomie, ce qui est extrêmement rare, la batterie est changée pièce et main d'œuvre, carrément. On va voir ça de plus près. Alors, je regarde avec vous le site. Voilà, c'est ça. C'est une entreprise, hein, depuis 2007. Donc ça, c'est récent. Et ils vendent des voitures. Vente et location de véhicules 100% électriques. Et il s'avère qu'ils seraient un peu plus intéressants que les concessions. Oui. J'ai pas les réponses, hein, du principe de fonctionnement de ces entreprises au niveau de l'achat et revente du neuf. Je suppose que ce sont les mêmes principes que les revendeurs, vous savez, avec des moins 10%, moins 12%, tout ça. Ça doit être à peu près le même fonctionnement. Ça a l'air d'être du solide, du costaud, parce qu'ils font des adaptations de thermique en électrique. C'est-à-dire qu'ils prennent un véhicule thermique. Ils vous le transforment en électrique. Ah bah bien sûr, il faut que tout rentre dans la boîte, hein. Et aussi bien technique que la paperasse, les mines, hein, les contrôles. La voiture, il faut qu'elle tienne la route, il ne faut pas que ça s'effondre. Enfin bref, il y a plein de conditions qui fait que ça marche ou ça ne marche pas. Ça se fait beaucoup pour les poids lourds. Les poids lourds, les camions poubelles, tout simplement. Ah oui, bah, les communes gagnent énormément d'argent. Bah, en coupant avec le pétrole, hein, parce qu'un camion, ça consomme énormément,
ça coûte très cher en entretien, et dès qu'on le bascule en électrique, ah bah d'un seul coup, pouf, plus d'entretien et ça consomme quasiment rien. Ah bah à tel point que ces sociétés de ramassage d'ordures installent font installer une borne à très haut, alors c'est du très haut débit, pour recharger leur camion. Et recharge leur voiture au passage, parce que c'est la même prise, CCS Combo. Donc vous voyez un peu toutes les possibilités que cette entreprise amène. Rouler en électrique, est-ce rentable ou pas? Ils ont fait les comparatifs, hein, ils sont bien placés pour le faire. Économie réalisée avec un VE pour 100 000 km, 9 825 euros avec une citadine. Un compact diesel, 8 490 euros. Et ça, c'est une moyenne, hein. On peut faire plus en économie. Fourgonnette, alors ça, c'est pour les professionnels, 9 660. Les fourgons, regardez ça, 13 875. Et comme, sachant qu'en électrique, on roule beaucoup, pour ma part, en 2 ans et demi, j'aurais fait 100 000 km. Là, j'en suis à 90 000 km. J'en suis à 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Donc, vous voyez, on roule beaucoup. Et je sors rarement du département. Hein. Je pars de trajet quotidien. Donc, comme on est débarrassé du pétrole, on recharge à la maison, c'est d'une facilité déconcertante, c'est comme prendre un vélo, tout simplement. Ils sont basés sur un prix moyen que l'on trouve actuellement. Hein, comme pour l'électricité, pareil, c'est à peu près ça. Hein. Vous voyez la différence. Il suffit que le pétrole remonte. En plus, ils réparent les batteries. Eh oui, il répare les batteries. Réparation de batteries lithium, donc ça rejoint la vidéo très ancienne que j'avais faite, hein, les premières vidéos. Citroën, C0, Peugeot, Ion, Nissan, Leaf, oui, parce qu'il y a les Nissan qui sont retrouvés avec des batteries à 50%. Ah oui, bah. Donc des problèmes, hein, une cellule qui lâche, 2, 3, 4, 5, 10, 15, boum, ça y est, la batterie perd beaucoup de son autonomie. La Zoé, non, ça tient le coup. Tesla, ça tient le coup. Ah, donc c'est tant mieux. Vélo, tricycle, etc. Donc on voit qu'il répare les batteries. Il change les éléments, tout simplement. Il répare aussi les batteries, les éléments de volt sur les batteries au plomb. Ils font les installations de gestion. Ils font un développement de batterie, formation, avis et référence. Renault, Steph, Modec, France, Vite. Enfin bref, il y a plein de... L'AVEM, bah oui, bah ça c'est important. UFC que choisir, automobile propre. Donc on voit que on est tranquille en électrique. En Renault Zoé, vous êtes tranquille de toute façon d'office parce que vous louez la batterie. Même si vous achetez la batterie, vous aurez vraiment de quoi faire, rouler pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans avec une voiture comme ça. Elle ne vous lâchera pas la batterie. Déjà, elle est garantie 8 ans ou 160 000 km. C'est au terme. Hein, si vous atteignez 160 000 km au bout de 5 ans, la garantie s'arrête. Mais c'est hyper fiable. Alors voilà, donc l'adresse, c'est à Ion. Non, pas Ion, Peugeot, hein, Citroën, non. 22 120. Horaire sur rendez-vous uniquement. 9 annonces en ligne. Alors on voit les annonces de ces voitures-là. Elles sont garanties par le constructeur. Alors là, vous ne l'achetez pas en concession. Ça fait comme les prestataires qui vendent à distance, avec des moins 10%, moins 15%, moins 5%. C'est le même principe. Alors vous pouvez chercher, je ne sais pas où, je suppose là-bas, ou la faire livrer sur plateau. Je dirais, le petit inconvénient, c'est qu'on ne voit pas la voiture. Ça fait comme les prestataires à distance, on ne voit pas la voiture à l'avance. Bah, si vous allez en concession, vous allez relever une griffure, par exemple. Ou alors un élément qui manque, qui avait été demandé. C'est extrêmement rare, hein. Ça je vous rassure. Maintenant, s'engage l'image du constructeur, hein, de toute façon, donc il ne faut pas qu'il y ait de problème. Et là, vous pouvez encourager, hein, auprès du concessionnaire. Que là, c'est particulier, justement, c'est loin. Alors si on se trouve à l'autre bout de la France pour aller chercher sa voiture là-bas, ou l'emmener là-bas parce qu'il y a un problème, il faut passer par la concession. Comment ça se passe au niveau de la concession? C'est une garantie constructeur, normalement, et il faut faire jouer la garantie. Je n'ai pas tous les éléments en main. Hein.
Mais on voit toute la gamme, même les 208. Alors on voit que les 208 rejoint le prix de la Zoé, bien entendu. Ça dépend les finitions. La Zen est vraiment intéressante. La Zen, c'est la Zoé 50 du devis que vous avez vu sur la vidéo précédente. Donc je clique dessus. Voir un peu comment ça se passe. Et bien sur le bon coin. C'est étonnant, hein? Vous êtes sur le bon coin, vous téléphonez, ben, je vous commande une voiture. Voilà. Non mais ça se passe pas comme ça, vous n'allez pas payer sur le bon coin, bien entendu. Mais ils ont mis l'annonce sur le bon coin. Pourquoi pas? Il y a plein de professionnels qui mettent leur annonce, d'occasion ou neuve, sur le bon coin. Ben, là, c'est d'occasion. Neuve, 30 km. Allez, bah oui, évidemment, en 2019. Donc R110, il vous la propose avec deux moteurs, bien entendu. Le R110 ou le R135, avec 600 euros d'écart entre les deux. Achat intégral. Donc là, vous l'achetez intégralement, sans location de batterie. Câble type 2 et chargeur combo DC. Ah, c'est inclus. Ah, déjà, ça vous fait gagner 1250 euros. Donc c'est intéressant, 23 900. Date de livraison, nous consulter. Teinte extérieure blanc glacier, voilà. Gris Highland ou noir étoilé. En bas, elle est belle de toute façon dans toutes les couleurs. Options possibles. Il n'y en a pas 36 000. Pack hiver, volant cuir chauffant, siège avant chauffant, 490 euros. Ça doit être drôlement bien. Ah oui. Pack City. Là, c'est l'aide au parking arrière, lave-vitre arrière électrique, bah oui, sinon c'est les manivelles. LED, lave-vitre conducteur impulsionnel, ah oui, bah oui, même sur une finition intermédiaire et sans option, plus 350. Alors le Pack City, ce qui m'étonne, normalement il y a une caméra de recul sur cette finition-là, sur la Zen. Ah, il faut se renseigner, il faut demander tout simplement. Pack sécurité. Projecteur anti-brouillard avant. Bah, oui. Là, faut pas oublier que la Zoé 50, c'est full LED, hein. Là, c'est fini les ampoules, comme moi, je fais les tests d'ampoules. Avec cette voiture-là, là, elle est au top, hein, c'est des LED, hein. Avec allumage et extinction automatique. Et ça passe de code à phare, automatique aussi. Aide au stationnement avant et arrière. Ah, là, le pack sécurité, il gomme le pack City presque. Caméra de recul. Bon, alors là, je ne comprends plus rien. Bon. Plus 700 euros. Ben, c'est pas évident. Hein. À voir, hein, bien sûr, avec le prestataire. Alors, faible coût d'entretien. Ben, évidemment, il n'y a quasiment plus rien en entretien. Hein. La livraison sera accompagnée de précieux conseils. Ça, c'est bien. Donc, c'est une livraison sur place. Alors, admettons. Ma vidéo, elle sert à ça aussi, hein. Je mets à la place de tout le monde. Hein. Bon, je commande une voiture comme ça. Je prends l'option pack hiver là, pour aller chez les Esquimaux et pack sécurité, projecteur anti-brouillard. Je prends ces deux options-là. Ça me coûte tant, beaucoup. Ça me coûtera moins cher qu'en concession. Mais je ne vais pas aller chercher la concession, je vais aller chercher en Bretagne. Comment je fais? Ben, je prends le train. Je prends le train, j'arrive là-bas. La voiture est rechargée, elle a une autonomie de plus de 400 km. C'est un moteur Renault. Je prends le moteur Renault R110, par exemple. Donc 108 chevaux, alors c'est puissant, hein, bien sûr. Avec une autonomie de 400 km, j'aurai juste une recharge à faire pour rentrer chez moi dans l'Est de la France. Une recharge. Et pas besoin de recharger à 100%, je peux recharger, je dirais, à 50 ou 60%. Et je peux rentrer chez moi et ensuite recharger chez moi. Ça, c'est parfait. On voit que l'autonomie des voitures maintenant sont intéressantes parce qu'on peut aller loin, mais ce trajet-là, on peut considérer que c'est un trajet de vacances, c'est un trajet pour aller voir des amis loin, et qu'avec une seule borne, en cours de route, on recharge. Et si elle est gratuite, le trajet nous aura coûté 0 centime. Déjà, l'économie, ah ben, elle commence. Elle commence là. Déjà, aller chercher la voiture là où ils la vendent, la ramener chez soi, on est tout heureux. On roule dedans, on découvre la voiture en temps réel, en conduisant, de nuit, de jour, comme on veut, clim ou pas clim, suivant la saison, ou chauffage. On rentre chez soi, on s'est déjà fait la main sur l'électrique.
on apprécie son confort, on arrive, on est à peine fatigué. Alors, attention, c'est une finition supérieure en insonorisation, etc. Hein, la Zoé 50. Elle a été améliorée sur bien les domaines, même en confort. Confort de route, de roulage. Alors donc, il vous donne des conseils en même temps. Ah ben, c'est bien. La conduite, la gestion de la charge, ça c'est bien. Parce qu'en concession, c'est pas forcément ce qui va se passer. Vous êtes tombé. Si c'est une personne qui est formée pour vendre des voitures électriques, d'accord. Mais est-ce que dans les concessions, il y a du personnel formé pour former les personnes, les conseillers? Bah, je crois pas. Hein. Ah non, pour l'instant, on est encore à ce stade-là. Les mécanos, eux, oui, sont spécifiques. En dépannage, ils sont formés pour l'électrique. Ah ben, ils vous réparent ça impeccablement. Ils ont fait des stages à Paris, etc. Ils reviennent, ils ont tout dans la tête, les livres et autres. Mais là, quand c'est la vente d'un véhicule, en concession, on n'est pas forcément conseillé. Ben, j'espère que je me trompe, parce que sinon, c'est dommage. Depuis le temps que Renault en vend, désolé. Après, ça dépend des concessions. Hein, parce que c'est la concession qui va payer le stage de formation. Alors, est-ce qu'elle va s'engager à investir là-dedans? Ben, plutôt intérêt. Là, c'est carrément du professionnel, puisqu'ils adaptent les voitures électriques, ils réparent les batteries et autres, ils connaissent tout, tout par cœur. Là, vraiment, on peut dire que oui, on sera bien renseigné. En plus, ils précisent que nous avons une expérience que nous avons acquis au cours de nos 10 ans d'expérience. Ah, voilà. Donc, éligible au bonus écologique de 6 000 euros, déjà déduit sur le prix indiqué. Ah oui, on s'en doute. Hein. Sinon, il y a plus de 30 000 euros. Hein. À la prime à la conversion. Donc, la fameuse prise à la conversion, la PAC. Prime d'aide à la reprise, à la conversion. 2 500 minimum et 5 000 maximum. Un véhicule diesel ou essence, une reprise. Ah oui, pardon. C'est après la conversion, je continue. Hein, excusez-moi. D'un véhicule diesel ou essence jusqu'à 5 000 euros. Voilà, c'est 2 500 ou 5 000. Selon vos revenus, à l'aide à l'acquisition de véhicules propres, jusqu'à 6 000 euros en Île-de-France, Normandie, Bouches-du-Rhône. Ça, ce sont des aides des régions, en plus de l'aide de l'État, en plus de la PAC. Si on prend 6 000 euros, non, on retire, par exemple, je vais être clair, je vais essayer. Vous avez droit aux 6 000. Ah, vous avez de la chance, sinon vous habitez justement dans la région qu'il faut. Oh là là là. La région vous donne 6 000 euros. Ah oh ben, demande rien, 6 000 euros. Plus 5 000 euros, parce que vous avez une poubelle qui était reprise 5 000 euros. Ça fait 11 000 que vous déduisez de 23 900, un peu plus que j'ai pris les options. On va dire 25 000. Ça vous l'a fait à combien? 25 000 moins 11 000. 14 000. À 14 000 euros, vous avez une Renault Zoé Z250, très bien équipée, plus de 400 km d'autonomie, je répète. Impeccable. Prix CCS combo type 2 incluse. Ben voilà, c'est tout. Hein. Soit vous prenez une thermique, vous n'avez rien compris, vous continuerez à prendre du thermique, alors que vous savez que là, vous avez une grande autonomie sur l'électrique. Là, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Soit vous continuez, vous changez d'optique, vous réfléchissez, vous savez calculer, et vous dites, si tout le monde dit du bien de l'électrique, je bascule sur l'électrique, je coupe avec le pétrole. Parce que s'il est moins cher maintenant, il sera plus cher dans l'avenir. Donc il faut toujours penser à ça. Ah, la décision vous appartient, mais prenez la bonne. Ouais, si je n'avais pas de Zoé maintenant, j'en aurais une maintenant. Ah bah oui. Ah bah je coupe avec le truc là. Hein. non, j'arrête ça. Il faut arrêter un peu les... Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.